Alors, joyeux vendredi tout d'abord, et effectivement, avec un petit peu de fatigue, on repart sur le vendredi. Et je vous aiguillerai quand même sur quelques groupes, dont Rex Regis, donc, qui jouera à l'étage l'après-midi à 17h10. J'adore ce garçon, je trouve qu'il a une voix exceptionnelle. Là, il est entouré en plus d'excellents musiciens des 1969 Club. Ensuite, il y a un autre personnage très particulier qui s'appelle Vouro. Il joue en fait avec un crâne de vache sur la tête. Il est un peu homme orchestre, donc il a des clochettes accrochées au bras, il joue des cymbales avec les cornes et il joue donc du piano boogie exceptionnellement bien. Et il y a également un projet qui nous tient très à cœur, puisqu'on est allé voir ce projet avec Jean-Louis à Rouen, dans une église. Ça s'appelle The Nagash Ensemble. Là, c'est vraiment magnifique. Trois chanteuses, donc trois choristes lyriques, qui viennent donc d'Arménie. C'est le projet donc de John Odian, un Américain mais originaire d'Arménie, qui est retourné vivre en Arménie. Tout est basé sur des poèmes sur l'exil d'un poète qui s'appelait Brkić Nagash. Une dernière suggestion, The Surrenders, qu'on a vu avec Jean-Louis à Brighton lors du festival Great Escape. Donc eux, ils joueront à 2h45 Hall 3, donc le vendredi. Et là, c'est grosse énergie, rock, soul, petit côté blues. Le chanteur a une espèce de classe à la Lenny Kravitz, les filles, là, vraiment c'est pour vous, hein, ratez pas ça. Mais musicalement, on s'est vraiment pris une baigne, on devait être une quinzaine dans la salle, et donc on est très content parce que là, il va jouer devant 3000 personnes.